Ah ben j'arrive. On va faire un petit tour à l'extérieur. Pour ça, ça a été peint. Donc ici, tu peux le garder ou tu peux le repeindre normal. Il y a deux bonnes grosses bouteilles de gaz. Par contre, mon nouveau transporteur, il faut que je les fasse vider, quoi. Avec la roue de secours d'ailleurs. So, you said the wheels are good, the tires are good, yes, on it? They are. This one only has, maybe 1,500 miles on it. Ah, les pneus sont bons. C'est des bonnes jantes. Cool. Did you change the joints on bon, the seals? Some of the weather stripping, I put new weather stripping on, and some of it is still good. Yeah, it is good. From when I bought it. Yeah. Ça a l'air super, hein. Elle est propre à l'extérieur, intérieur. Peut-être une des plus belles que j'ai vues, mais... par rapport à l'année. And the awning is in good shape. The awning, when we opened it up this summer, it looks like it had never been used. Wow. The only thing, I put a new grip handle on it to pull it out. The old one, because it had been exposed to the weather, tore off. Il dit que le haut vent, il est comme neuf, quoi. Quand il a ouvert au mois d'août, cet été, quoi. Là, il a l'air super cool. Il y a un petit pain là. Donc, c'était sur la photo, on voit moins, mais. Bah voilà quoi, il y a des petits trucs. C'est le seul défaut qu'il a l'air d'avoir. Mais avec son vernis d'origine, il est super. Ah, même le bois derrière en général c'est toujours pourri. Ah non, il a l'air super. Alors on essaye les feux là. Et les... The thing should turn itself on. I didn't like the pilot light inside. It doesn't it do it by itself? Well, it should. Just turn another one. There you go. Yeah. Il y a un pilote au milieu là qui s'allume automatiquement une fois qu'on a allumé un feu. So nice. Hein? Et pas. The oven, you gotta turn it on, though. Yeah. Yeah. Le four, faut allumer un pilote à l'intérieur. Yeah. And it does Oh, is the thing out there? Yeah, little. Okay. Yeah. Deflector. And what happens is that just. Faut sûrement le remonter, ouais. Yeah, it just comes loose when you. Ouais, faut remonter ça, c'est le four. But I can tell you that we've used it, not a lot. Ben sinon, il y a un super pro. Elle a montré. Oh, do you want to turn the light on? On top again. Il vient de changer le. L'interrupteur pour les 4 ampoules, il a du mal à remettre le plastique, bon ça c'est rien. Il faut quand même qu'il y ait des petits trucs à refaire, sinon c'est marrant. Yeah, you can turn it off. That's the 12 volts. Yes. Yep. Is there an inverter somewhere? The inverter is down underneath, I'll show you where that is. Yeah. It takes a good hard yank. Oh yeah. Ah ouais, donc ça c'est un petit boîtier qui change le 110 volts en 12 volts pour tout ce qui est 12 volts dans la caravane, toutes les petites lumières. Ah, ça marche. Waouh, super. Tout ce qui est petites lumières 12 volts, il y a des lumières. Il y a des lumières. Oh, this has to be. A little bit open, yeah. Yeah. Il y a un petit fan d'aération là. Et voilà.
pas mal. Il y a des, ouais, donc il y a des lumières, toutes les petits carrés plastiques là, c'est des lumières 12 volts. Et après il y a les lumières 110 volts qui peuvent se changer aussi avec un transformeur en France. Un transfo. Il a refait la cuisine. Nice. Parterre aussi en bois. C'est joli. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. Mais elle est belle. Is the fridge working two ways, three ways? Right now it only works on electric. I bought a new igniter, but it turns out that the little feed pipe was too short. Oh, yeah. So it's going to take somebody. Yeah. Le frigo il marche au 110 volts, mais pas avec le gaz. Il y a deux trois petits trucs à regarder. But I think they're from Switzerland. Those. Il vient avec quatre stabilisateurs. Le tuyau là pour serrer l'equalizer hitch qui vient avec. Super. That's so cool to know. Wow. This is also set up for. Yeah, the sway. Yeah, sway. Sway thing. Ouais. Si tu veux, je pourrais t'acheter. Là, il y a la boule là. Et sur ça, tu peux mettre une autre petite boule et tu peux mettre un autre système. Dans ce système-là, c'est pour équilibrer le poids de la flèche pour que ce soit moins lourd. Et après, tu peux mettre un système qui empêche le roulis droite à gauche là.